Les valeurs et les principes qui se font de plus en plus rares dans notre société où la culture de l'hyper-performance et de l'égoïsme règne en maître, où chacun veut gagner tout seul et veut gagner contre les autres. Mes amis, vos valeurs sont aussi les miennes. Et c'est des valeurs qui n'ont pas pris une ride, pas plus que votre confrérie en 75 ans. Des valeurs actuelles et d'autant plus nécessaires à l'heure actuelle. C'est Jean-Pascal de Lamuret qui l'a dit avant moi, la liberté est la finalité de toute société humaine. Ces principes dictent, je le sais, votre conduite tous les jours et je vous en félicite. Mes chers amis pirates, vous êtes surtout de formidables ambassadeurs, que ce soit au Brésil, en Éthiopie, en Norvège, à Brest, à la fête internationale de la mer et des marins, ou sur le rocher de Monaco, vous avez fait découvrir à la ronde les traditions et les cultures de notre belle commune. Grâce à la célèbre vaudoise, vous avez montré au monde une autre facette de notre culture, celle des marins lacustres. Et je me suis laissé dire que votre escapade à Brest avait suscité bien des envies. Et oui, les charmes de la vaudoise n'ont pas laissé de marbre les marins bretons. Ils en parlent encore dans les chaumières. Messieurs, ce qui me plaît le plus chez vous, c'est votre esprit démocratique. Voilà, voyez, on a l'approbation de la marine. Un esprit que vous vivez au quotidien. C'est en quelque sorte votre deuxième langue maternelle. Une langue que vous parlez et comprenez, mais aussi que vous partagez avec les autres, sans distinction de statut ou de fonction. Peuvent faire partie de votre confrérie aussi bien un conseiller fédéral qu'un artisan, un employé ou un ouvrier. Tous se côtoient dans une belle ambiance d'amitié et de convivialité. Chers pirates, vous pouvez être fiers de votre engagement. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de votre enthousiasme et de votre engagement. Quand l'avenir est incertain, quand les choses bougent vite, parfois trop vite, et que les changements se précipitent, il est bon de revenir à nos racines, à nos valeurs. Aux valeurs fondamentales qui ont non seulement fait la recette du succès au passé, mais qui sont le ciment de la Suisse moderne. Place à la fête, longue vie aux Piratushi, car il n'y en a point comme eux. Bonne fête. Nommé la Danaé, à prendre un riz dans les basses-voiles. À son premier voyage, l'on a à son premier voyage. La frégate a sombré, à prendre un riz dans les basses-voiles. Sur 180 hommes, l'on a sur 180 hommes. Il y en a qu'un de sauvé à prendre un riz dans les basses voiles. Merci à la chorale des Pirates d'Oshi. Toujours à Saint-Malo, des filles, des filles, des filles, des filles.
tu m'avais parlé des brigands du Jorat tout à l'heure. Oui, alors les brigands du Jorat, c'est la garde rapprochée des pirates d'Ouchy, puisque c'est aussi une confrérie. Et alors c'est une confrérie très limitée, il y a 40 places, et pas une de plus. Et quand il y en a un qui part, il y en a un qui rentre. Et c'est celui qui part en règle générale, qui décide, qui va mettre à sa place. Ils nous viennent du Jorat, donc ça, c'est les Hauts-de-Lausanne, Chalet d'Agobet, Corcelle, le plateau l'arrière-pays. Et eux aussi entretiennent des traditions, alors que je connais beaucoup moins bien que celle de la Vaudoise. Mais je pense que si tu veux que je te présente, pour qu'il t'en parle, le président de la confrérie est là, et c'est un type super gentil, et si tu veux des renseignements, allons-y. J'aimerais te présenter un des membres musiciens de Saint-Malo, des Boucaniers. Non, je ne sais pas. Oui, je sais ouais, pas. Mais il est là. Ouais, on dira qu'il est pour la tournée. Voilà. C'est un magnifique accordéoniste, un superbe chanteur. Et j'y ai parlé un peu des traditions d'Ouchy, j'y ai parlé de notre garde rapprochée des brigands du Jorat. Voilà, aussi. Ouais. Mais j'ai dit que pour les traditions de brigands, là, le seul qui pouvait vraiment lui expliquer ça comme il faut, c'était toi. Ouais. Hein? Les brigands du Jorat, c'est pas si innocent que ça. C'était un groupe de paysans, j'explique pour quelques petites minutes peut-être, où je vais accélérer, mais c'était un groupe de paysans, des paysans pauvres, des paysans exploités. C'était dans le Jorat, ça fait 15-20 km d'Ouchy. Et puis de 1530 à 1702, ces brigands ont attaqué les voyageurs, les commerçants, pour, c'était pas l'anecdote, mais ils ont attaqué les trésoriers du roi de France et ils ont dérobé 12 000 couronnes. Ces brigands attaquaient, tuaient, dévalisaient. 1702, fin des brigands. Tout ceci donc a été versé aux archives vaudoises, hein, c'est du vrai donc. Ces brigands ont été vendus aux gendarmes bernois qui tenaient le canton de Vaud par une femme. Et cette femme-là a donné le lieu de rendez-vous des brigands. Sur 60 brigands, ils en ont pris 29. Alors, il faut savoir qu'après cette fin des brigands violente, on a redécidé de faire une nouvelle compagnie des brigands en 1971, basée sur des archives. 60 brigands, pas plus, pas de femmes chez les brigands. Et on note qu'on fait toujours des attaques, des présidents de la Confédération, au centre d'Offmers, à l'égal de Sarkozy, presque, hein, chez vous, on attaque, mais on ne tue plus. Donc la rançon, c'est du liquide. Donc, c'est la difficulté d'avoir du liquide, mais c'est 12 bouteilles, qu'on se comprenne bien, 12 bonnes bouteilles de vin blanc. Voilà, ça, c'est une corporation, une compagnie qui se débrouille et qui sort régulièrement. Je suis le capitaine et on vient régulièrement à Ouchy faire copain-copain avec les pirates, parce qu'ils foutent. Voilà. Dernière chose, une borne des limites du territoire. Du côté sud, c'est les pirates, et du côté nord, cette bande, c'est les brigands. On a partagé le territoire en deux. J'en ai terminé. Content, ça t'en chantait, le grand coureur, la la la, et Jean-François de Nantes, gagné sur la fringante, on s'amusait, mon frère, dans la vieille cité corsaire. C'est bien fini, plus d'équipage aux endoguettes qui s'en venaient toutes les nuits pour faire l'amour, pour faire la fête. La rumeur s'est baptisée, maintenant une gueule de curé. Pour ce qui est de la gaieté, le père Saint-Joseph n'est pas loué. Au rue de la soif, y'a plus de marins, y'a plus que des touristes qui passent. Les restaurants sont toujours pleins, mais les patrons font la grimace. Pourtant, quand on chantait, le grand coureur. Toujours à Saint-Malo, des filles du Queen Rue des bateaux. Et si tu veux chanter, le grand coureur. La la la, et Jean-François de Nantes, gagné sur la fringante. On s'amusera, mon frère, dans la vieille cité.